It is a match described by most football pundits lately in Cameroon as the most awaited match in the month of September. This qualifying match, the last for Group C, concerning Cameroon's indomitable Lions, the qualifiers for the 2023 Africa Cup of Nations. It is a must-win match for Cameroon if they have to be part of for the 2023 Africa Cup of Nations expedition to be played in 2024 in Côte d'Ivoire. Cameroon against Burundi, the last two flag bearers for Group C to qualify for this competition will be known today. It will be either Cameroon, Namibia or Burundi. The match will be played in less than 2 hours at the Rumdiaja Stadium in Garoua, and an entire nation mobilized like one to support and push Cameroon's indomitable Lions to victory tonight against Burundi. Good evening to you, Joseph Guettamandé. Bonsoir, Baldwin Sama. Bonsoir à toutes et à tous. Il y en a un qui a déjà un pas en Côte d'Ivoire. Parmi les trois prétendants à ces deux dernières places qui restent pour Côte d'Ivoire 2023, qui se joue en janvier-février prochain, l'année prochaine, ce sera donc en terre ivoirienne. Et les Ivoiriens réclament les Camerounais là-bas. Alors, la Namibie, dans cette poule C, à 5 points, et puis deux deuxièmes, le Cameroun et le Burundi, avec 4 points chacun. Aujourd'hui, il y a beaucoup de supputations. Est-ce qu'il va falloir un match nul pour le Cameroun et de combien de buts partout? Ou alors, le Cameroun doit tout simplement remporter la partie pour laisser tout le monde très content à l'issue de cette rencontre. Baldwin Sama, nous avons des invités XXL sur ce plateau. Certains sont attendus et d'autres sont déjà là, qu'on va présenter dans un instant. Indeed, Joseph Guettamandé, permit me to begin with a former indomitable Lion, because we're talking about Cameroon's indomitable Lions. He has played several Africa Cup of Nations. Unfortunately, he lost at the final in 2008 in Ghana, when Cameroon lost at the final against Egypt. Alexandre Song, he is here with a rich experience as a former indomitable Lions to tell us more as to how his younger brothers tonight must take an entire nation to victory against Burundi. Alexandre Song, good evening and welcome. Good evening, bonsoir tout le monde. Bonsoir Alexandre Son, merci de nous faire l'honneur d'être là. Ce sont les Lions indomptables qui jouent et on sait, un match coupé comme celui-ci, il faut absolument gagner, c'est ce que vous nous dites. Non, tout à fait, c'est un match, il faut la victoire, quel que soit le match. Le match aujourd'hui, il est important, c'est important pour tout un peuple. Nous attendons cette victoire pour aller à la CAN. Nous savons que sans le Cameroun en Côte d'Ivoire, c'est pas une CAN vraiment à regarder pour nous, donc on va tout faire pour pouvoir arriver ce soir. Nous sommes confiants, et il y a la confiance par rapport aux ces jeunes qui vont jouer aujourd'hui. Diof Ngouar, bonsoir. Bonsoir. Diof, j'étais en train de vous titiller tout à l'heure, dans les couloirs, en disant, chaque fois qu'on entend votre voix, et c'était aussi comme ça à une certaine époque, chroniqueur, sportif, consultant, aujourd'hui à la CRTV, on entend votre voix, on sait que les Lions sont indomptables. Seront face à une sélection africaine ou mondiale et qu'on entend la voix de Diof, ça veut dire les Lions vont faire quelque chose de positif, c'est cela. Yes, thank you very much, Guettamandé, Baldwin Sama, good evening. And especially to my son, Alexander Song. He might not know, but I started my campaign with all the generations. And while we were perched reporting on what they were doing on the pitch, we never met at times. If you ask him before now, he will say, no, I don't know him. However, to come back to your question, you see, I've gone out in many campaigns, and like you say, I've had the luck of being a winner, like I call him, bad win, win the winner. Today, I want to believe that the match speaks for itself. You remember a European Nations Championship without France or Germany, or a World Cup without Argentina or Brazil. Diof Ngouar will be coming back to you. Just time for us to take our viewers to the Rumdiaja Stadium in Garoua to get the pulse of the latest updates from the Rumdiaja Stadium. We are told the stadium is almost full, less than 1 hour, 45 minutes to the official kickoff of this encounter. And we see on our monitor screen Gael Mudjo Ndedi just next to Nana Walters. Gael Mudjo Ndedi, tell us, what's the latest updates? Less than 1 hour, 30 minutes to the kickoff of this encounter. Greetings to you, Gael.
Mr. Baldwin out there, and to your guest, Joseph Gwenamandeng, Geoff Gua, Alexander Song. Welcome to the 30,000-seater room, the Aja Stadium, where it is bubbling with football effervescence out here. Mr. Baldwin, the entire streets of Garoua is out here at the stadium. 30,000 seats have already been taken out here by fans, and they are waiting for that great moment. I mean, it's been emotion-packed Garoua for the past 2 weeks that we've been living here. It's been football about the Republic of Cameroon. It's been this qualification for Côte d'Ivoire at 2024. And of course, like you said, Baldwin, we're waiting for 8 p.m. for that battle to get the remaining two tickets in Group C. And of course, we are here to give you all the details. Gaël Boutio, good evening. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Walter. Merci infiniment. Good evening, everybody. Good evening, Baldwin. Bonsoir, Joseph. Bienvenue ici au Room de Aja Stadium. Vous pouvez le voir derrière nous. Eh bien, c'est le plein d'œuf. Les quelques places qui sont encore disponibles sont celles de ceux qui se battent à l'entrée pour essayer de venir rejoindre cette enceinte. C'est grave, toute la ville de Garoua s'est mobilisée. C'est l'électricité, on attend ce moment. Et la joie de ce peuple de Garoua démontre qu'on y croit. Et c'est peut-être pour ça qu'on est venu ici à Garoua, parce que la foi est grande à Garoua, une ville qui n'a pas dormi, parce que toute la nuit, ça a été la fête. La fête avant l'heure pour célébrer la victoire qu'on vient chercher maintenant ici sur le terrain. Eh bien, les Garouais la célèbrent depuis la nuit. C'est une ville où il a plu très fort, très très fort hier. Et aujourd'hui, c'est le beau temps. C'est un bon moment. Tout le monde peut sortir. Personne ne peut dire « je ne viens pas au stade parce qu'il pleut ». Eh bien, Côte d'Ivoire 2023, Abidjan 2023, les Lions arrivent. On est prêt et c'est du beau monde qui est venu ici à Garoua. On a pu croiser dans les rues de Garoua à côté du stade déjà depuis 5 heures de temps le DTN du Tchad avec le DTN du Cameroun. On a croisé Joseph-Antoine Bell, on a croisé Sergio Polo, on a croisé plein de personnalités. Tous les Camerounais se sont déplacés de tout le pays pour venir ici. Et on va sûrement vivre un bon moment, Joseph et Baldwin. Of course, Baldwin, Mr. Sama, Joseph Gwenamandeng and all your guests out there. It is a Garoua that is set. Yesterday, Baldwin, we had torrential downpour out here that even carried some of the seats in this stadium. We thought that we're not going to have this game. But the sunshine that welcomed us this morning, that took us out from our respective beds, have put this stadium into the right frame of mind. It is a Garoua that is set for the great game this evening. I mean, it's going to be the 138th match and, of course, day 6 match, last game for Group C, and two teams will come out from this group to join the remaining 22 that have already picked up their tickets for Côte d'Ivoire at 2024. Baldwin, Joseph Gwenamandeng, yesterday at the pre-match press conference, the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Mr. Rigobert Sombahana, told the world that whether Burundi goes up or Burundi comes down, the net will shake beginning 8 p.m. And we're all looking forward to that. He indicated that this game is not only played physically, but there is also a spiritual touch into this game. Because like Gaël was saying a while ago, we cannot explain the heavy rainfall we had yesterday, but the sunshine that is cutting across the city of Garoua, even this evening, it is unexplainable. I mean, we've had reports on CRTV to hear that the Lamido of Garoua is coming out to watch this game out here. Then it gives reason to the words of Rigobert Sombahana that even the gods of Garoua are with the Indomitable Lions of Cameroon, Gaël. Of course, Walter, vous pouvez l'imaginer, si tout Garoua, les autorités en première, s'est plié en quatre et même en huit pour que cette rencontre se déroule dans les meilleures conditions, si toute la sécurité a été mise en place, si la CRTV s'est déployée comme ceci depuis des jours et des jours, eh bien, c'est que la victoire doit être au rendez-vous. Vous n'imaginez pas quand le coach Rigobertson a dit hier que c'est un match qui se jouera non seulement au mental, mais également sur le plan spirituel. C'est que chacun doit envoyer ses énergies positives ici au Room de Aja. C'est le moment de converger en esprit, comme certains ont convergé physiquement, pour que ça se passe. C'est ici que ça se passe et ça va se passer. C'est ici que Côte d'Ivoire 2023 commence, Nana. Of course, sir. Baldwin, Mr. Sama, Joseph Gwenamandeng, before we give you the microphone to come back to you in a jiffy, we've had information that the Indomitable Lions of Cameroon
will be here at 6:30 p.m. while the Burundians will be in the stadium at 6 p.m. So, Badwin, Joseph, Jove, and Alexander Song, over to you. And we're waiting for your next call. Badwin, Mr. Sama. Thank you so much for those updates from the Vumde Aja Stadium. Alexander Song, you have played several Africa Cup of Nations, many crucial qualifying matches that Cameroon has had to play prior to some Africa Cup of Nations that you have played. As a former Indomitable Lion, how does a player embark on such a match, psychologically speaking, like the one that your younger brothers will embark on in less than 1 hour, 30 minutes? You can speak in French, you feel free. I think they have to play them like always, because like, you know, that game is very important, you know. You don't have to put the pressure on yourself, because like when you play those kind of game and you start to play the game before the game, something is difficult. You have to take it out of the game to be really on the game. You have to think about your family, because you play as well for your family. You have to be proud to be there. You have to be proud because you play for 30 million of Cameroonians. You have to give your best. I think you have to put your mind away and just be ready for that game, because like, you know, in that game, if you lose him today, it will be big impact. That's why all that player, when in that situation, you have to be 100% on your head, on your legs, everything. So you have to be around you. You have to get like a good host, a good condition to play your best football. You know, because like today, like I said, we had in the same position. Like when I remember 2000 to go to World Cup in 2014. Yeah, we have the game we play against Tunisia here at home. It was the same situation. You know, you have to win the game. Yeah, if you out of the pressure, just play your game. I think they have just to be focused for that. Have you had the opportunity to talk to any of the Lions in camp presently? And if yes, what is the message you send to them on a very important match like this? No, just saying like, be like always, don't change anything. Just go on the pitch, play your game, play your football, and everything will come along. You know, you don't have to put the pressure, like I said. If you put the pressure on yourself, you not perform well. You have to be easy, free, like you're playing the street, but you know, like, that game is very important. You have a very big impact from the Cameroon and from all the country, but if you play, you manage the game well, and you will get the result. Jov, vous pensez que c'est aussi facile de prendre le match comme ça aussi facilement, parce que il faut jouer comme d'habitude, comme le dit Alex, c'est vrai, lui, c'est un habitué. Tout à fait. Mais pour le public, le cœur bat, la chamade. N'oublie pas, Joseph, que j'ai été de beaucoup de campagnes avec eux. La pression, c'est pas seulement sur les joueurs, le staff technique, les accompagnateurs, mais souvent, il y a des méthodes. On faisait les joueurs jouer les cartes, ils jouaient au tennis pour oublier le match. That is because when you put the mind, like Alex was talking about the mindset. He was talking about the mindset before the match. When you put a lot of pressure on yourself as a player, you might play the match before, and on the day of the match, you don't play anything. That is, you have to go in, relax, play your game, believe in yourself, and obviously you are going to put up a good performance. And especially talking about the context in which we are, the advantage Cameroon has is the fact that we always put that pressure on ourselves. We always think of Blida, think of Zambia, think of many situations where we come down to mathematical hair splitting, the equation, if. In recent times, Cameroon has always qualified under such circumstances. And I want to believe that they can manage the pressure. Most of the players, if not all, are professional players. And that it's a common situation that they have gone through. They have played World Cup matches. They have played African Cup of Nations, apart from youngsters like Benjamin Elliott, who, however, have the exposure to top championships in France, in Europe. Talk of the goalkeeper, Andre Onana.
He has played the Champions League. He has played some of those major competitions. And I don't think the idea of pressure today is going to be the question. I want to believe that my only fear would be that they shouldn't underrate their opponents, that they are going to take the match seriously. And of course, we have this weak point in recent times, that when Cameroon scores, they can easily concede a goal too. If they have blotted out that attitude where we have to respect the opponent. Respecting the opponent, Joseph Gwet Baldwin, is that you should score the many goals. Because in scoring many goals, you are respecting your opponent, because you are scoring the goals knowing that they too can score. Obviously, and we are looking forward to having many goals scored by Cameroon's indomitable Lions, because what Cameroonians should know is that Cameroon must win tonight if we should qualify for the Africa Cup of Nations. Time for us to welcome two other guests who have joined us on set. To my right, Raphael Abouem, regular consultant or football analyst who is regular with us on set. Good evening and welcome. Merci, bonsoir. Bonsoir, Baduil. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, M. Mandeng. Merci d'être là et puis j'espère qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes afin que ce soir les téléspectateurs soient très éclairés et surtout à la fin que le Cameroun se qualifie pour cette Coupe d'Afrique qui est tant souhaitée par que ce soit le peuple camerounais, que ce soit le peuple ivoirien. And equally we have Michel Kaham, himself a former Indomitable Lion football coach today. Michel, greetings and welcome. Okay, thank you everyone. Merci d'être là. Je pense qu'on est là dans une grande soirée. Comme on en a l'habitude au Cameroun, je dois le dire. Je pense que le public camerounais, le peuple camerounais adore ce genre de soirée. Dans toutes les banlieues, dans toutes les gargotes, les télévisions sont mises en place, on attend les lions. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les lions indomptables. C'est dans ce genre de situation que l'on s'est montré que l'on est lion indomptable. Et on pense que l'entraîneur a eu le temps de vérifier son effectif et aujourd'hui de présenter l'équipe qui fera l'affaire. J'en ai aucun doute. On a cité de Bléda, on a cité ceci et cela, c'est vrai. On aurait pu le faire avant, c'est vrai. Mais on est là aujourd'hui. Dieu veut qu'on a une attaque mitraillette qui peut marquer à tous les coups, qui sont performants en ce moment. Peut-être en défense, on a réalisé d'autres choses, mais l'équipe est là. Je pense qu'on a le droit d'être confiant. C'est vrai que sur un match, tout peut arriver, mais c'est chez nous. On a ce qu'il faut. Et il y a lieu d'être confiant. Et quand vous dites qu'il y a lieu d'être confiant, let's begin, Joseph Gwet Mandeng, yes, with the first topic on what Indomitable Lions scored against Burundi tonight. Alors, question posée, et avant d'y arriver, Baldwin, peut-être qu'on devrait faire un tour du côté de Rum de Adja, parce que selon la programmation, le classement devrait être là. It's not yet ready? Oui, ce classement devrait être déjà à 18h15, mais avant ça, on va prendre des nouvelles des Lions indomptables avec la Coupe d'Afrique des Nations de football. Talking about some of these key qualification matches that the Indomitable Lions of Cameroon have had to play, we'll be coming back to that shortly. Some of these crucial qualifying matches that have at least seen Cameroon qualify for these respective Africa Cup of Nations. Raphael Abouem, we are talking about Cameroon against Burundi. 24 players called to come by Rigobert Song. Why waiting for the first or the starting 11? What Indomitable Lions squad should we have tonight against Burundi, according to you? Non, la réalité aujourd'hui, il n'y a pas un autre résultat qui est attendu autre que la victoire. Après, je pense que le coach Rigobert Song lui-même, dans son intérêt, je crois qu'aujourd'hui, il va aligner ce qu'il a de meilleurs joueurs. C'est ceux qui sont les plus en forme de son effectif. Donc, je crois qu'à ce niveau, la question ne se pose pas. La seule option qu'on a, c'est de gagner. Bien. Dans cette mouvance, Michel Kaham, vous êtes entraîneur de football. On dirait que les Lions sont interdits d'encaisser ce soir. Non, pas qu'ils soient interdits d'encaisser. Ils peuvent gagner 2-1, 3-1, puis ça passe. On ne peut pas dire qu'on est interdit d'encaisser. D'abord, ce n'est même pas bien de le dire aux joueurs avant. Tout peut arriver dans un match, mais il faut gagner. Il faut mettre dans la logique que, quel que ce soit que se passe, on gagne.
C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas prévenir qu'on n'encaisse pas. Ah non, une glissade, un pénalty, un bas sur la main. Mais il faut gagner. Je pense que l'entraîneur a eu le temps de mettre sur pied un groupe capable, sur 90 minutes, de gagner. Et c'est ça qui va importer, de gagner d'abord. Et c'est vrai que ce serait plus sécurisant de marquer d'entrée, de marquer davantage, de prendre une bonne avance, une bonne marge pour gérer tranquillement la deuxième mi-temps. Ça, c'est vrai. Mais ce genre de match se joue pendant 90 minutes. Et nos Lions nous ont habitués à ne pas trembler. Si vous vous souvenez de Blida et d'autres choses à part par avant, on n'est pas un pays qui faiblit quand ça va mal. On n'a pas de groupe qui baisse la main. On se bat jusqu'au bout, jusqu'aux arrêts de match. C'est ça. On a vu pendant la CAN ici, contre je ne sais plus qui encore, le marquer des buts. Trois dernières minutes, on marque. C'est ça le Lion, c'est ça le mental qui caractérise le Camerounais. Et je pense que c'est en ça que l'entraîneur a dû travailler pour dire, au bout du match, il faut gagner. Mais forcément, ne mettez pas une équipe qui va prendre des buts faciles. Il y a des matchs où on ne donne pas des buts cadeaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Pas sur une erreur de vouloir faire excès de zèle, faire un petit pont derrière, puis on marque. Non. C'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs sérieux. Et on espère qu'avec le groupe qu'il a, il a pu mettre en place un groupe qui va jouer dans cet esprit-là. In order to avoid any calculation, Alexandre Song, the only option is for Cameroon to win tonight against Burundi. And for us to win, what according to you should be the structure of Team Cameroon, especially Cameroonians, each Cameroonian is a coach with three goalkeepers. Who should be the starter this evening? At the central defense, who should be the starter? At the midfield or at the attack line, who are those to start as far as the Team Cameroon is concerned for us to be able to secure, at least during the first 45 minutes, a possible win? Non, déjà là-bas, nous ne savons pas. C'est le coach qui sait les joueurs qui sont à disposition. C'est lui qui voit les joueurs qui sont en forme à l'entraînement. Et on voit ceux qui ont commencé le championnat aussi. Il faut aussi voir s'analyser, ceux qui ont des minutes. Par rapport à ça, il va mettre un dispositif aujourd'hui pour pouvoir être performant parce que nous attendons la victoire. Et après, ce genre de match, les joueurs, ils connaissent. Le joueur, il se sent que je suis prêt à jouer ce genre de match. Il faut que, si le coach me donne même 2 ou 3 minutes, je vais répondre présent. Donc, c'est chacun en soi, à un moment donné, si on voit qu'on ne peut pas. Nous-mêmes, ici, à un moment donné, on faisait le classement parce qu'on voyait que tel ne pouvait pas jouer. On disait, c'est celui-là qui doit jouer. Donc, les joueurs, eux-mêmes aussi, doivent prendre cette responsabilité de se dire qu'aujourd'hui, c'est un match crucial. Est-ce que je suis prêt psychologiquement et physiquement à pouvoir répondre aux attentes? Donc tout ça fait partie du jeu. Après, le coach maintenant, il va discuter avec eux, nous aligner, comme le coach l'a dit tout à l'heure, nous aligner la meilleure équipe possible pour pouvoir gagner aujourd'hui, parce que c'est très important. Geoffroy, you want to add something? Yes. I want to say, without the other speakers, prior speakers have avoided calling names, there was a time in this country where the population of Cameroon were the same number of coaches. You could shake up a Cameroonian and say, what squad do you think Cameroon is going to feel? And they will give you to 99% close the selection that is going to play. I want to believe that today, there's a slight change in the fact that the Cameroonians, however, have a team with a lot of talent. The 24 players that have been selected, I believe, have the potential above the best Burundian player on that pitch. I'm honest about it. The 24 selected Cameroonians have a potential above the average Burundian player. What I'm saying is this. We know how the team has functioned in recent times. We know that obviously, with the class of Andre Onana, he has played the Champions League. He's a goalkeeper of a top-flight club after losing the final with Inter Milan. I think for a coach to bench that type of goalkeeper would be very difficult. However, I see Raphael Abue, maybe he agrees or disagrees with me. You have the opportunity at defense, because that's what you wanted to know. Geoff, without cutting you, we are told that maybe we'll be having the starting 11 of Team Cameroon on field already, and that's why we will try to get in touch with our special envoys at the Room Dia Jazz Stadium, Gael Mujondedi and Nana Wata. Tell us, do we have the starting 11 for Team Cameroon already? Not yet, my dear Baldwin, Mr. Summer.
We are looking forward to that from the management of the team. Earlier today, Baldwin, we tried to go around the team press officer. He told us we can only get it from the manager of that team, and it is Mr. Rigobert Sobhadak. So we're waiting for that. But in the meantime, Baldwin, from the Cameroon Football Federation, we already have the match officials who are coming all the way from the Rainbow Country called South Africa. So the referee for today is going to be Mr. Tom Abongile, all the way from South Africa. The assistant referee number one is going to be Mr. Zakele Tusi Siwela from the Republic of South Africa. The assistant referee number two is going to be Mr. Sauru Fauswani from the Republic of Lesotho. Of course, the fourth official is Mr. Jelly Alfred Chawani from the Republic of South Africa. And of course, Baldwin Joe, this is match number, like we told you, the last game for the qualifiers, match number 138, where we're looking out for two more tickets to join Côte d'Ivoire 2024, Gaël. Et oui, Nana Walters, ici ce soir, malheureusement, à cette heure-ci, alors qu'on nous a annoncé le 11 entrant depuis un moment, il est 18h27, il n'est toujours pas tombé, il est tenu secret ce 11 entrant. C'est vous dire qu'on essaye de faire au mieux, mais le coach Rigobertson l'a dit, le manager sélectionneur l'a dit, les 24 joueurs en sa possession, ceux qui sont sous sa coupole sont prêts. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de baisse de pression, il n'y a pas de baisse psychologique. Tout le monde est prêt à se jeter dans la bataille. Les 11 lions, les 11 lions vont entrer sur le terrain, mais n'importe lequel d'entre eux peut les remplacer. Et ils vont faire ce qu'il y a à faire pour remporter ce match ici ce soir. Il n'y aura pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen de sortir de là. On peut vous le dire, c'est une équipe très solidaire qui a pris le temps de travailler ensemble. On vous l'a dit et vous l'avez remarqué, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on voit les Lions en stage aussi longtemps avant qu'un match. Mais ce match est un match crucial, ce n'est pas n'importe quel match. Il faudra être en Côte d'Ivoire et ça passe par ce qui se passe ici ce soir. Ils sont prêts, ils vont être là d'un moment à l'autre. On les découvrira tous ensemble pour le bonheur de tous les Camerounais, on en est certain. Of course, Baldwin, it is the Rumbiaga Stadium that continues to pick up ambiance out here. Thousands of fans coming all the way from Yeloa, coming all the way from Quartier Chinois, coming all the way from Plateau, Maroire. They have been lining the streets of Garoua. And one after the other, they are picking up their seats out here in this 30,000-seater stadium. It is a stadium that has been trimmed, cleaned, given the best of shape by the director of this stadium, the officials of the Cameroon Football Federation, and of course, the officials of the Confederation of African Football, who have been on the ground, working hand in glove with the officials of the government of the Republic of Cameroon, led by the Ministry of Sports and Physical Education, with a very untiring professor, Narcisse Boele-Kombi, who has been multiplying meetings upon meetings to ensure that the government of Cameroon steals the show out here and give CAF and FIFA all what they need. A while ago, Baldwin Joe, 2 days ago, the president of the Cameroon Football Federation sauntered into the city of Garoua. And of course, he has been giving his own touch to the support of this game. And of course, Gaël, we are waiting for that moment at 8 p.m. Et oui, on attend impatiemment ce moment et les chauffeurs sont ici. On a deux voix bien connues qui donnent de la voix justement pour faire que cette foule qui s'est massée ici, que tous ces supporters qui sont venus aux couleurs des Lions, chacun a sorti son maillot, et bien que tout le monde soit chaud au moment de l'entrée des Lions. Vous l'avez dit, l'équipe d'arbitres qui va diriger cette rencontre nous vient d'Afrique du Sud et du Lesotho, on est en confiance. On a coutume de dire que c'est un moment important aussi de savoir qui va diriger le match. Eh bien, on est en confiance. Les Sud-Africains vont venir diriger ce match de façon impartiale. Et tout ce public sera satisfait. Vous l'avez dit, le ministre est ici. Il est ici, le ministre Moulekombi. Et il a beaucoup travaillé avec ses équipes pour qu'avec la fédération, on l'a vu, on a croisé des gens complètement trempés de sueur. Tout le monde soit, que tout le monde soit content, que tout le monde soit sur sa place, assis où il faut, pour que les choses se passent correctement. Eh bien, nous rendons l'antenne de ce pas. Walter Nana, c'est le moment de dire au revoir et d'aller suivre les autres. On vous laisse avec nos collègues de l'autre côté de Yaoundé, Joseph, Baldwin et tous les invités en studio. Nous vous remercions pour ce moment. Merci Gaël, merci Walter. Et
Ce que vous voyez, chers téléspectateurs, dans l'encre de Roumdé Adja en ce moment, c'est le public qui est en train de remplir ce stade, mais on nous annonce des très longs rangs à l'extérieur, beaucoup de monde. Ceux qui se trouvent à l'extérieur sont un peu plus nombreux que les gens que vous voyez dans ce stade. Malheureusement, tout le monde n'arrivera pas à avoir une place dans ce stade. Il y a là-bas des supporters qui attendent à l'extérieur, justement à la fin du match, pour célébrer avec tous ceux qui sont dans cette cuvette de Garoua. Alors, retour dans ce studio en attendant le 11 entrant du Cameroun et même du Burundi tout à l'heure. Alors, Raphaël Abouhem, en attendant, on voulait vous poser cette question après publication du 11 entrant du Cameroun. Mais on va anticiper. Vous sortez fraîchement de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, les Ivoiriens réclament l'équipe nationale du Cameroun en terre ivoirienne pour cette CAN. Alors, ce qu'il faut comprendre, qui est, de mon point de vue simple, c'est que le Cameroun, sur le plan continental, est un mastodonte. Sur le plan de l'image, sur le plan du palmarès et même sur le plan du mythe. C'est-à-dire que tous ceux, les journalistes qui ont voyagé avec l'équipe nationale du Cameroun, Geoff Ngoua ici présent peut confirmer, qui sont allés dans des pays, vous ont toujours dit, les gens en Afrique ont eu une forme d'admiration qu'on ne peut pas toujours justifier pour le Cameroun. J'étais à une séance de travail avec un membre du gouvernement, ivoirien, la semaine dernière, qui me disait, il faut que le Cameroun se qualifie parce que une Coupe d'Afrique chez nous sans le Cameroun, ça va faire des ordres, quitte à ce qu'ils viennent gagner comme ils ont gagné il y a 40 ans. Voilà un peu l'ambiance aujourd'hui qui règne en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les Ivoiriens, pour eux, il est inconcevable que la Coupe d'Afrique se joue chez eux et que le Cameroun ne soit pas à cette fête parce que, pour eux, leur fête sera réussie seulement si le Cameroun y participe parce que, pour eux, le Cameroun est un pays spécial. Hein, parce qu'avec le Cameroun, il y a toujours des surprises. Ils vous prennent par exemple en 2017 où le Cameroun avait une équipe médiocre. Mais au fil de la compétition, on a vu une équipe se bonifier au point de remporter le trophée à la fin de la compétition. Et c'est en ça que le Cameroun a un charme particulier et tous les pays voudraient que le Cameroun participe à leur Coupe d'Afrique et la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne déroge pas à cette règle. Donc, ils disent, même s'il faut que la CAF fasse tout ce qu'il faut pour que le Cameroun se qualifie, que la CAF le fasse. Puis vu que les Ivoiriens reçoivent les tantis camerounaises en Côte d'Ivoire, comme ils le disent si bien, un peu rigolant. Mais ça fera vraiment désordre que le Cameroun ne se qualifie pas. Parce qu'il faut dire qu'une Coupe d'Afrique sans le Cameroun, c'est comme s'il y avait une Coupe d'Europe sans la France ou l'Italie. Vous voyez un peu si on peut faire la comparaison. Donc, vraiment, ce soir, il faut que le Cameroun se qualifie. Même pour l'image de la CAN, parce que vous savez, même pour la vente des droits, sur le plan international, les chaînes de télévision font un ratio de l'attractivité de la compétition en fonction des pays participants. Donc, un pays majeur comme le Cameroun, qui n'est pas à la Coupe d'Afrique, ça réduit même le niveau de la compétition sur le plan commercial. Donc, en dehors seulement de l'enjeu sportif, il y a aussi l'enjeu économique qui fait en sorte que tout le monde souhaite que le Cameroun soit qualifié. Alexandre Song, you have taken part in several editions of the Africa Cup of Nations. Raphaël was talking about the importance of Cameroon to be part of for this Africa Cup of Nations economically, politically, socially. Now, as a former Indomitable Lions, how important is an Africa Cup of Nations in the career of a footballer? Because for most of these Lions, missing out in Côte d'Ivoire 2023, it will be an end for some of them in their international career, and some of them may not have an opportunity to take part in any Africa Cup of Nations. You were in Ghana in 2008, you were in other Africa Cup of Nations. How important is it for an Indomitable Lion? I think for me it was a dream, you know, like all the Cameroonian when you're young, you are dreaming to play national team. You are dreaming to play World Cup. Because like in the past, we're watching the coach that was doing, they're doing very great for the past. We have a lot of generation. And then when you start to play for national team and then you have an opportunity to be there, you want your dream to win African Cup. You want to participate. It's something is very important, you know. Obviously, it's not only for you. You know, you have a family, you have a friend, you have a lot of people of our country. And then when you get that opportunity, you have to show people like, I'm not here for fun. I'm not here. I'm here. I'm Cameroonian. Because that flag is very, very big things. I remember when I was in the tunnel, Jeremy was
every time saying like, we are Cameroonian. You know, that thing is very important. When you go in the pitch, you have to show them that we are here. That's what I think for missing this African Cup is something is, I cannot imagine. I think nobody can imagine that situation today, you know. Yes, I'm sure, I'm 100% my young brother, that will do everything to be there because it's very important. Like you said, some of them, then in the end of the career. The career, they want to finish properly well, like we have a lot, they want to finish well. And then they're showing 2017, nobody was expecting them, and then the end of the day, they make it. Won the trophy. You know, the last African Cup here at home, it was not bad, it was in semi-final as well. It's not bad, but now I think this one is more important because like it's Ivory Coast, in Cameroon and in Ivory Coast, we are like his brother, it's special things. Yeah. And then it's very, very important for us to be there. And I'm ready, my young brother will do a lot of things to be there, to be part. Très bien. Alors, Cameroun, Burundi, c'est dans quelques instants, coup d'envoi à 20h, naturellement. Alors, ce Burundi qui joue contre le Cameroun ce soir, on se rappelle qu'au match aller, le Cameroun a gagné 1-0. Mais allons encore voir, c'est quoi cette équipe de Burundi dans ce reportage que nous propose Wilfried Kotour. Le Burundi veut croire que son hymne Burundi Bwaku retentira sous le ciel de la Côte d'Ivoire à la prochaine CAN. La sélection burundaise a été remise en selle pour la qualification lors du match retour face à la Namibie à Bujumbura. Le match référence pour le Burundi, voire le match fondateur. Le temps d'une partie, ils ont fait étalage de leurs atouts offensifs. 3 buts marqués en 19 minutes. Un total de 6 buts marqués lors de leurs 3 derniers matchs, une moyenne de 2 buts par match. Des atouts offensifs certes, mais une fragilité défensive manifeste. 11 buts pris lors de leurs derniers matchs, dont une douche froide, 4-0 en match amical face à la Côte d'Ivoire. Pour ces éliminatoires de la CAN 2023, le tableau de bord du Burundi affiche une victoire, un nul, une défaite. 4 buts marqués, tous marqués à l'intérieur de la surface de réparation. 4 buts pris, dont 2 hors surface de réparation face à la Namibie. Ils ont une chance ici. Un grand goal et un grand finish. La Namibie, moins de 10 minutes, ont pris le lead ici en Soccer City. Un intérieur surface et un but pris sur coup franc face au Cameroun. L'effectif de la sélection burundaise est constitué des joueurs évoluant en Afrique, Rwanda, Tanzanie, Afrique du Sud, RDC. Au-delà, on y retrouve des joueurs de la diaspora. Le milieu de terrain Christophe Douan-Roguira de Académico Viseu au Portugal. Les défenseurs Frédéric Sabioumoi de Viscad, SK en Suède. Joseph Chimirimana de Iami Matalaysport en Turquie. Les attaquants bienvenus Kanaki Mana de Viskov en République tchèque. Pacifique Nyongabiré de Valour au Canada. Saïdo Biraimo de AEL Limassol en Chypre. Contre le Cameroun en septembre, le Burundi va jouer pour une deuxième participation à la CAN, un match décisif au cours duquel les Burundais compteront aussi sur leur dernier rempart, le gardien de but Naïmana Jonathan.
les dernières prestations de l'équipe nationale du Burundi, le Intambamurungamba, les hirondelles du Burundi. Alors, le Burundi vient gonfler à Garoua, sachant que l'équipe nationale du Burundi a battu la Namibie qui a battu le Cameroun. Et d'ailleurs, l'entraîneur de cette formation, Étienne Ndayira-Jié, a été condescendant hier lors de la conférence de presse face aux journalistes. Il a dit qu'il est venu pour gagner. Alors, Diof, est-ce que cette logique tient la route? Yes, I think so. When you look at the scores of Burundi, the fact that they went right to Namibia to defeat Namibia, and that Namibia, back in Namibia, defeated Cameroon, and that they could pull a draw, that is finding themselves on 4 points like Cameroon, they will come in, obviously, sailing on that wave of hope. They would be telling themselves, if Namibia beat Cameroon and we beat Namibia, it means we can beat Cameroon. They have their own arguments. They will be coming with their own mindset. But the reality is that when you put one on one, there are situations where you can have ambition. In pidgin, it is better said, Trocky like boxing, but the hand shot. That is, you could like to win, but the circumstances don't allow you, like I'm sure is going to happen to Burundi. Michel Kaham, ici, tout le monde a un goal différence particulier de plus zéro. Tout le monde. Et à plus zéro, on a marqué, on va dire, il n'y a pas. C'est l'égalité parfaite au niveau des goals différence particuliers. Il y a beaucoup de supputations. Il faudrait faire un match nul de 4 buts partout pour que le Cameroun se qualifie. Ou alors le Cameroun doit absolument gagner. Alors, étant entraîneur de football ou joueur de football sur le terrain en ce moment, dans les prochains quarts d'heure qui arrivent, qu'est-ce qu'on dit aux joueurs? Qu'est-ce qu'on leur demande de jouer ou alors de faire des calculs? Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire exactement? Il faut d'abord dire la clarté, dire exactement ce que l'on recherche. Parce que je pense que suivant tous les calculs, un zéro but partout nous qualifierait. Mais autre résultat en dessus, c'est ce que j'ai cru suivre, nous défavorisait. C'est d'abord en cela qu'il faut être d'accord. Parce que moi, sur ce que j'ai suivi les différentes analyses, à zéro but partout, on passerait. Et une victoire. Alors qu'un but partout, deux buts partout, autre. Mais ça, c'est avoir d'abord et donner la vraie clarté aux joueurs. Parce que sur le terrain, c'est eux qui jouent, qui réfléchissent. Maintenant, j'ai suivi l'entraîneur, il part dans la logique de gagner, qui est la chose la plus sûre qu'on puisse avoir. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Donc je pense que les joueurs, à la réunion technique, on leur dit tout, on leur dit la vérité, parce que sur le terrain, ce n'est pas les automates. Il faut bien qu'ils sachent ce qu'ils recherchent. Maintenant, au-delà de tout cela, il y a un match. C'est un seul match. C'est pour ça que la chose devient compliquée, parce que ça se joue en un seul match. Et que même que vous ayez des joueurs qui jouent en Première Ligue, plus fort, et que les autres, sur un match, on se dit que tout peut arriver. Donc l'entraîneur adverse joue sur la psychologie, de dire comme il a dit hier, on vient gagner, mais il ne peut pas dire le contraire. Il faut bien se le dire au départ pour motiver sa troupe. Et nous, on dit aussi autre chose. Donc c'est un combat avant un match. Quand il y a un match à élimination directe, un match unique, ça devient compliqué pour tout le monde. Et chacun joue sur ses forces et ses faiblesses. Et je pense qu'aujourd'hui, l'entraîneur camerounais a eu la chance, je dois le dire, d'avoir le joueur pour un bon bout de temps. Donc il a eu le temps de voir qui est blessé, qui est en forme. Donc il va forcément sortir la meilleure équipe possible. Et il n'y a rien dans ce genre de match que de partir avec des certitudes qui vous fait penser en devant vous-même, on va les mater. Parce que quand je vois ce qu'il y a autour de moi, ils ne résisteront pas. Même s'ils parlent fort, ils n'ont pas de quoi nous résister. Et on met un plan de jeu qui va donc déjouer l'adversaire. Indeed, we are having beautiful images of the Wumdiaja Stadium. A few minutes to the kickoff for this match with players of Team Burundi and the technical staff already on the turf, praying the gods for a victory to be theirs. Just as supporters of Cameroon's Indomitable Lions at the Wumdiaja Stadium, looking forward to a brilliant win for Team Cameroon. Many have been speculating a draw or a win. We are not
eager for a draw. Cameroonians are looking forward to a victory, just a victory tonight, to consolidate our ticket for Côte d'Ivoire. As Raphael Abouem was saying a while ago, many, many Cameroonians in Côte d'Ivoire, and likewise, Ivorians themselves anxiously waiting for Cameroon to be part of that Africa Cup of Nations. Raphael Abouem, when you look at the massive or the impressive turnout for the public there at the Rumdi Ajia Stadium, we are told several hours before the kickoff of this match, around 3 p.m. this afternoon, the stadium was almost full, telling signs of how much loving the public is, especially in other regions of Cameroon, not just Yaoundé, to support and push the Lions to victory. Non, ce qu'il faut dire qui est constant, c'est que s'il y a une chose sur laquelle tous les Camerounais sont unanimes, s'il y a une chose pour laquelle tous les Camerounais de tout horizon ont un amour identique, c'est sur les Lions indomptables. C'est-à-dire que n'importe quel Camerounais ou qui se trouve a un amour indéfini pour les Lions indomptables. Donc, ce qui se passe à Garoua, pour moi, n'est même pas une surprise. C'est-à-dire que vous aurez organisé même ce match dans mon village à Koniambeta, les gens auraient réagi, je serais sorti aussi de la même manière. Mais ce qu'il faut dire pour qu'on revienne dans le match, je crois que un match comme celui d'aujourd'hui, quand on fait la comparaison, parce que comme il a dit le coach, les enjeux sont les mêmes pour les deux équipes. Aujourd'hui, c'est l'un des deux va se qualifier. C'est comme si on jouait une finale où il y a un trophée. Il n'y a pas de match nul. En réalité, aujourd'hui, il faut gagner pour se qualifier. Quand on prend les deux équipes, la valeur intrinsèque des joueurs des deux équipes, vous prenez poste par poste, compartiment par compartiment, le Cameroun est supérieur. Parce que nos joueurs jouent dans des clubs de haut niveau et dans des championnats prestigieux. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire la différence? Ce qui peut faire la différence, c'est l'animation de jeu que l'entraîneur met en place. Mais pour que l'animation du jeu que l'entraîneur aura choisi soit une réussite, il faut qu'il y ait adhésion des joueurs. Parce qu'on ne le dit pas souvent assez. Vous pouvez prendre n'importe quel entraîneur, vous lui donnez même la meilleure équipe du monde. Mais si les joueurs décident de ne pas adhérer au discours et à l'animation du jeu que l'entraîneur met en place, il peut avoir échec. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, auquel on n'a pas de réponse, c'est quelle est l'animation que Rigobert Song a décidé de mettre en place avec les joueurs qu'il a. En fonction du temps, comme le coach Karam Michel a dit, en fonction du temps beaucoup plus long que d'habitude qu'il a eu avec ses joueurs, quel est le ressenti qu'il a sur chaque élément? Aujourd'hui, c'est Rigaud qui peut dire à quelqu'un, voilà comment je sens cette équipe, voilà comment je sens mes joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce match, nous allons le gagner. Un entraîneur, quelques minutes avant un match, en fonction de comment il sent ses joueurs, parce que un sportif, dans le regard, vous pouvez percevoir qu'il est confiant, qu'il est inquiet ou il est soucieux. Donc, à ce moment, c'est là où l'entraîneur peut faire des choix importants qui puissent faire la différence lors d'un match. Donc, je crois que nous allons patienter quelques minutes, voir le début du match, voir l'animation qui sera mise en place, les joueurs qui seront positionnés, parce que la chance que nous avons aujourd'hui, et ça, il faut quand même le souligner, ça fait très longtemps. Rarement on a été unanime sur la qualité des joueurs qui ont été sélectionnés. Alors qu'aujourd'hui, la liste que Rigobert Song a donnée, aujourd'hui, à presque 90% des Camerounais sont unanimes que c'est les meilleurs joueurs que nous avons en activité, en forme, dans leur club. Vous savez qu'il y a toujours eu ces problèmes-là ici où il y a des joueurs qui sont arrivés en sélection, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il sort d'où? Aujourd'hui, ce problème a été réglé. Rigobert Song avait promis la méritocratie, il le fait. Maintenant, il y a des détails, parce que c'est les joueurs qui sont pratiquement à chaque poste, qui ont pratiquement le même niveau. Mais pourquoi il va choisir l'un et pas l'autre? C'est en fonction du vécu de chaque joueur dans des matchs cruciaux et pour des compétitions importantes. Et je crois que quand on regarde le classement, même Alex, nous tous nous avons l'embarras de dire on doit mettre tel et pas tel. Parce que
Ces joueurs, quand on regarde même en attaque, Choupo-Moting a fait des compétitions majeures. Il a été déterminant à des moments cruciaux pour les Lions indomptables. Aboubakar Vincent, on n'en parle plus. Toko Ekambi nous a sorti un match extraordinaire à Douala contre la Côte d'Ivoire, ce qui nous a permis d'éliminer l'Algérie. Mbembo, en ce moment, en Angleterre, il est le meilleur joueur du mois du championnat anglais. Donc, je crois qu'on a une équipe capable aujourd'hui de faire un match exceptionnel. La seule différence, la seule inquiétude qu'on peut avoir, c'est la façon dont l'animation va se faire au milieu du terrain. Et pourquoi je parle de ça une seconde? Parce que le problème, c'est que Zambouanga, ça a été un excellent joueur, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore donné le meilleur de son potentiel qu'il donne en club, en équipe nationale. Et la question donc qu'on va se poser, et on aura la réponse tout à l'heure, c'est est-ce que Rigobert Son a réussi à avoir une discussion avec lui, lui permettant de le mettre en confiance afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même qu'il donne en club aujourd'hui en équipe nationale du Cameroun. Nous avons déjà la réponse, Raphaël, avec le 11 entrant du Cameroun qui est déjà connu. To unveil the starting lineup for Team Cameroon this evening at the goalpost as goalkeeper is going to be André Onana. Central defense, we are going to have Christopher Wu and Harold Mokudi. For wingers, right back Olivier Mbaizo and left back Noho Tolo. The midfield, holding midfielders, we are going to have Olivier Kemen and Frank Zambo Anguissa. For the offensive midfielders, we are going to have Brian Bemu and Carl Toko Ekambi. And at the attack line, we are going to have Captain Vincent Aboubakar and Evic Maxime Choupo-Moting. Alexander Song, we had the first starting 11 for Team Cameroon. André Onana, goalpost, Olivier Mbaizo, Christopher Wu, Harold Mukudi, Noho Tolo, Olivier Kemen, Zambo Anguissa, Brian Bemu, Carl Toko Ekambi, Choupo-Moting. And Vincent Aboubakar, your first reaction? Non, je pense que l'équipe là aujourd'hui, moi je dis que c'est sûrement l'entraîneur, il a mis les meilleurs qui pensent qu'ils sont en forme. Mais bon, pour niveau de... Il y a des joueurs qu'on ne discute même pas quand on regarde la feuille de match, on se dit c'est normal, c'est logique. Après, il y a maintenant deux, trois qu'il faut se poser des questions. Après, comme je dis, c'est l'entraîneur qui connaît s'ils sont en forme, s'ils sont bien préparés, s'ils sont prêts à pouvoir reprendre présent à ce match aujourd'hui. Mais... franchement, à mon humble avis, je vois que ça va. Il n'y a pas à se poser trop de questions. Comme je dis, c'est l'entraîneur. Maintenant, le classement qu'il nous a donné, c'est à eux de nous justifier qu'ils ont bien vraiment assimilé ce que l'entraîneur veut d'eux et de produire un jeu, le jeu que nous attendons. Bien. En attendant, bien sûr. Alors, je rebondis sur vous, Alexandre Son. Raphaël Aboum parlait tout à l'heure du Cameroun. Pour résumer, on va dire sur le papier, le Cameroun est supérieur au Burundi. Mais est-ce que les joueurs camerounais, la sélection camerounaise, devrait-elle venir sur le terrain avec ce complexe de supériorité? Non, du tout. Je veux vous rappeler une anecdote. Nous, on est allé jouer un match comme ça en Tanzanie. À l'époque, c'était le Cameroun. On avait tellement de joueurs encore un peu, beaucoup plus de talent. On est arrivé en Tanzanie. On s'est chauffé, on a vu les joueurs tanzaniens, on a minimisé l'adversaire. Ils nous ont mis une musique, on s'est mis à danser. Quand on a commencé le match, on a dit mince. Donc, l'adversaire, si on les prend vraiment, si on s'amuse, ils vont nous. C'est pour dire que, quel que soit le nom qu'il y a sur le papier, il ne faut jamais prendre l'adversaire de haut. Il faut toujours être toujours au même niveau que l'adversaire. Maintenant, produire le football qui pouvait montrer à l'adversaire qu'on est au-dessus au cran, au-dessus aussi aujourd'hui. Au contraire, ils n'ont rien à perdre, hein. Ils ont tout à gagner. Et ils viennent comme ça, ils vont jouer insouciamment, ils vont donner tout ce qu'ils ont à donner pour pouvoir avoir un résultat positif. C'est à nous maintenant de montrer qu'on est au-dessus, on a un cran au-dessus, à produire un jeu qui ne va pas leur donner de l'espoir, à montrer qu'ils ne peuvent pas pouvoir rivaliser avec nous. And talking about Cameroon's match at home, Cameroon is going to play at home and Cameroonians are looking forward to a victory. And the last three matches, Cameroon has had the opportunity to play at home. The 25th of March 2022 at the Japoma Stadium in Douala, where Cameroon lost to Algeria. That was during the qualifiers for the 2022 FIFA World Cup. On the 9th of November last year, 2022, at the Yaounde Municipal Stadium in a friendly against Jamaica. It was a 1-1 draw for Cameroon. And on the 24th of March this year, 2023, at the Yaounde Municipal Stadium, a 1-1 draw with Namibia. Daniel Ekonde takes us memory lane to revisit some of Cameroon's matches played at home, which necessitates an imminent win tonight against Burundi.
record offers a strong sense of perspective as they confront the Swallows of Burundi this Tuesday in their final 2023 Africa Cup of Nations qualifier. Since March 2022, the Lions haven't known victory on home soil in three matches played in Douala and Yaoundé. For World Cup participants, Cameroon take the first came at the Douala Japoma Stadium in the final 2022 World Cup qualifying round against Algeria. It was manager Rigobert Song's premier assignment, having replaced Portuguese Tony Conceição in February. Despite employing firepower in Vincent Aboubakar and Éric-Maxime Choupo-Moting, Song's charges couldn't break the determined Algerians. When Islam Slimani connected to Youssef Belaili's cross, the Lions had their wounds to lick. They found their goal, and it comes from that man, Slimani. We teed him up as a dangerous threat for Algeria. The set piece offers the Desert Foxes a 1-0 lead. Cameroon endured the first leg loss in Douala. They only needed a moment of magic in the return leg in Blida to book their place in the World Cup. When they did, they faced Jamaica in a warm-up game in November in Yaoundé. Being the dugout for Cameroon, of course, he's the... Well, he's lost that in a bad area. Only skipper Aboubakar added quality to a side made up of local players and World Cup hopefuls. And some desperate defending. The Reggae Boys appeared to have secured a win when Justin McMaster found a way out of the defense, driving past keeper Marcel Mbabi. They have opened the scoring. Well, like a good magic trick, out of not amount of time and room with a man of his quality, well, he's going to hit the bullseye. Well, Cameroon would look to exploit some space here. Oh, what a goal that is! Well... Cameroon only neutralized the score through substitute Jawal Kaiba, who struck 16 minutes to the end of the game. This might have been a Hail Mary. Well, that just tells you that prayers can be answered. The parity happened at the Amadou Ahidjo Stadium. Jamaicans have held on. This is something to ponder as they meet Burundi this Tuesday in their last AFCON qualifier. Bien, retour dans ce studio. C'est mouvementé ici, comme c'est mouvementé aussi à Garoua. Nous avons été rejoints par d'autres invités que vous allez découvrir dans un instant. Alors, ici à ma droite, Baldwin Sarko. Dans environ 4 minutes, nous irons à Roumdé Adja pour cette rencontre de football Cameroun-Burundi. Alors, très rapidement, en quelques secondes, Alexandre Son. Tout à l'heure, à l'entame de la rencontre, est-ce que le Cameroun doit attendre le Burundi ou alors on doit se jeter tout de suite à l'eau? Non, on n'est pas venu attendre. Quel que soit l'entame de notre aujourd'hui, il faut aller avec beaucoup d'envie. Il ne faut pas attendre, il faut donner tout. Après, maintenant, comme je dis, c'est le premier, le tempo, c'est le premier, à la première minute qu'on va savoir si on est prêt ou pas. Si on attend, on va se mettre en difficulté. Donc il faut jouer, tout donner et montrer à l'adversaire qu'on est chez nous et qu'ils n'auront pas l'occasion de pouvoir espérer quelque chose aujourd'hui. Geoff Gua, what first 45 minutes for Cameroon? First 45 for, minutes for Cameroon, score an early goal because as the minutes ebb, the opponent is going to take confidence. A quick goal, concentration all 90 minutes, and like I always say, it's soccer time, let the ball roll. Michel Kaham, what first 45 minutes for Cameroon? Écoutez, on a un banc profond, on ne devrait pas avoir peur d'attaquer. Il faut aller chercher cette victoire. Et chercher, c'est presser l'adversaire et essayer de prendre le match en son compte. Si on le fait ainsi, on va gagner forcément. Sérieux, sérieux, sérieux. Et savoir qu'un match dure 90 minutes. Pendant ces 90 minutes, il faut être sérieux, appliqué et ne pas rater ces occasions de but que l'on a. Raphaël Abouhem, première 45 minutes de la rencontre, comment les aborder? Moi, je dirais qu'il faudra que les joueurs soient extrêmement concentrés parce que Rigobert, dans son classement et son animation, a été
très ambitieux. Il va falloir que les joueurs soient très concentrés parce que s'il y a la moindre déconcentration et que nous avons un joueur qui a la lucidité de couper deux lignes avec une passe, on peut se retrouver en mauvaise posture en contre-attaque parce que quand on regarde notre défense, nous avons quand même un des centraux qui est lent et ça ne joue pas à notre avantage. Donc il va falloir que les milieux de terrain et les premiers rideaux défensifs soient très vigilants pour ne pas permettre une relance propre du Burundi. 22 countries have so far picked their qualification tickets for the 2023 Africa Cup of Nations that will be played in 2024 in Côte d'Ivoire. Tonight, we will know the two last countries to take the number to 24 that will have qualified for this great football competition. Will it be Namibia, Cameroon or Burundi? What is obvious is that Cameroon will qualify tonight at the end of the match at the Vumdia Stadium in Garoua, which will begin in less than 15 minutes. And we are going to take our viewers over to Garoua, especially at the Vumdia Stadium, where we are told the stadium is full to capacity with many football lovers along the streets of Garoua looking forward to our victory and celebrates tonight's Cameroon's qualification for the Africa Cup of Nations at the end of this match. And we have a battery of reporters, technicians deployed by the Cameroon Radio Television to ensure that Cameroonians in everywhere they find themselves watch this match and get the latest updates. Benin Bouma Ghana, Evariste Yenga are our men on the commentaries tonight. Good evening, gentlemen. Over to you in Garoua. This magnificent gallery of the game, the historic stage, the Rumdiaja Stadium that lights the hearts of Garoua, energized by the expectations of the thousands of fans who are right here. It is going to be beautiful soccer and it's going to be a very, very beautiful moment. Benin Bouma Ghana, Evariste Eyenga and the TV director, Josephine Manfu, we are glad you stayed up at this hour to watch the game. Bonsoir Benin, bonsoir le Cameroun et le monde entier. 28 degrés donc ici. Ils arrivent à le supporter à toutes ces populations qui ont pris d'assaut les gradins. Vous le voyez, elles sont un peu plus calmes, anxieuses en attendant dans moins d'une quinzaine de minutes le début de cette partie entre le Cameroun et le Burundi. Vous allez en voir quelques amours, et bien évidemment, il ne s'agira pas d'une histoire d'amour entre le Cameroun et le Burundi aujourd'hui. Les deux pays vont en découdre tant il est vrai que la recherche, c'est la qualification donc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en 2024 en Côte d'Ivoire. And these jerseys will be won by the foot soldiers who step up on this turf to defend their countries.
hear their arrival at the Rumdiaja Stadium. For Cameroon, it is going to be an intense moment to come against Burundi. The number and the players are jumping out of the buses. They have one assignment tonight, and that assignment is to prove that in Africa, their football supremacy remains intact. And this guy, Vincent Aboubakar, is the one everybody is looking for, and is one everybody is expecting huge results from. And for Coach Rigobert, this is a test that should not go unnoticed. This is a test that should come back home with huge results. Ah oui, le Burundi, avec ses 24 hirondelles aujourd'hui qui veulent se mettre en face donc des lions indomptables. Etienne Ndaïra qui est, et ses poulains sont arrivés au stade Rumdi Adjar. Vous pouvez revoir donc ces différentes arrivées de la sélection qui continue de courir après sa deuxième participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après la toute première et l'unique de 2019. C'était en Égypte. Vincent Aboubakar et les siens entendent leur barrer la route. Today, Burundi questions Cameroon's soccer supremacy in Africa. How the Lions answer, thanks to Vincent Aboubakar, is the question matters yet for Burundi. They are coming to shake the strength of this team. Clinton Mwanje, who will be expected surely in the second half of this team, because of course the first 11 does not carry Clinton yet, but the expectations have been high and the request for him to touch the turf again and get back with the population is strong. Andre Onana and then Jongwe Eloyt, you will be expecting to see them in the next 90 minutes because they have business to bring in. The trio of the referees right here, led by Thomas Bongile from South Africa, will be watching over to ensure that every moment of this game is carefully looked at and is carefully controlled. Onésime Rokundo, ce sera lui le gardien de but de cette sélection. Il aura tout juste devant lui le défenseur axial Sabi Yumea Mvua, joueur de Vestara SK, c'est en Suède. Alors qu'à la droite, justement, son coéquipier Christopher Nduwaru Guigra de l'Académico de Viseu, c'est au Portugal. Voilà un peu la défense de cette sélection burundaise que vous pouvez revoir ici. Elle est étalée chauffement dans ce tendre de Rumdi Adja. Alors que pour vous rafraîchir, le Cameroun est bien deuxième derrière la Namibie avec 4 points. Le Burundi à la dernière position pour la Namibie. On a joué tous les matchs déjà, les quatre, alors que le Cameroun et le Burundi sont face à face aujourd'hui. C'est le match de la conclusion et dans ce groupe et de l'ensemble des éliminatoires. C'est donc une finale. Attention, il n'y aura pas qu'un seul qualifié aujourd'hui, mais ce groupe doit produire les deux qualifiés qui vont porter le nombre de 24, donc de qualifiés, puisqu'on en est à 22 jusqu'ici. It is a complicated situation in Group C with Namibia already with 5 points. Cameroon and Burundi sharing 4 points each. We are going to be saying it and we have said it again. The conjectures, the mathematical puzzle on if on one side, on if on the other side is going to drag long. Evariste, we've said it again. Some people say if it finishes on 0-0, it is it is Cameroon going, and for Burundi to advance, it's on 4-4. 25,000-seater stadium. These people got into this stadium since 4 p.m., and they are right here. I tell you, the same population we see inside is the same population we saw outside. So if you lose your seat, just know that there is somebody waiting to take the seat, and it's going to go like that right till the end of this game with all the prayers, the excitement, the joy and the happiness to be captured on camera. A few of them from Burundi, they say they've come to Cameroon understanding that the support is huge on the Cameroonian side, but of course Burundi has come with something. Samuel Etofis à côté de Abate Edii, le gouverneur de la région du Nord, et juste à côté le ministre des Sports. Les gradins, ils sont archibondés tel que vous le voyez, même les angles morts sont totalement occupé, initiative individuelle de chacun de ses spectateurs et aussi initiative de plusieurs autorités locales ici, à l'image du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, qui a offert 1000 billets d'accès aux jeunes. Donc
pour du septentrion pour participer ici, les jeunes défavorisés surtout, pour venir encourager les Lions. Zendantable à côté de lui, Sati Roma Barkari, ministre également, un autre membre du gouvernement, d'ailleurs ils sont là dans les tribunes, Gabriel Mbaïrobé de l'agriculture et du développement rural, toutes ces personnalités aux côtés de Roger Milan, on le voit dans la tribune d'honneur. The excitement is quite huge. Everybody has their own person to support. The fan club for Vincent Aboubakar is very, very strong. Here where he is born, a few meters away, they call the area Yelowa here in Garowa. This is his hometown. This is his family. He's going to be playing today in front of his own brothers and sisters. And I should say he's going to be playing in the presence of his ancestors. This is Africa. And you know what that means for such a moment. The Burundians can concentrate in prayers because now if you have to look at the ratio of the fans, they stand far, far, far low to compare Cameroon and their shouts will be very, very insignificant. Even that vuvuzela will catch no meaning in the midst of the thousands of voices coming from the Cameroonian section of spectators. Ça va être compliqué, mon cher Benen, pour ce unique vuvuzela qui représente le Burundi ici, de pouvoir dominer les plus de 22 000 spectateur de ce salle, voici le fils du pays, Vincent Aboubakar. Eh bien, les Lions Indomptables jouent à domicile, mais Vincent Aboubakar, lui, il joue devant son domicile. Il est né ici, à Rumdiadja, le quartier dont le nom a été affecté à ce stade. Rumdiadja, il a vu le jour ici, il a grandi ici, il a commencé à jouer au football ici, il a joué pour Coton Sport de Garoua ici, il est parti. Et il y a 13 ans, Vincent Aboubakar, sous les couleurs des Lions Indomptables, jouait avec le Cameroun, c'était face à la République démocratique du Congo, il y a 13 ans. At this moment, I have always said it and I say it again, Vincent Aboubakar represents everything that the Lions carry today or incarnate today. In him is that fighting spirit. In him is that expectation. In him is that driving force. Vincent Aboubakar will be leading the pack of Lions on a hunt of swallows. It is true if you have to borrow from Chinua Achebe. Lions of today have learned to hunt without missing. And here they come out of the tunnel. Remember, this is a time when the defenders will be thinking about the attackers to hold down. But this is also the moment when attackers will be thinking about the defenders that they will have to emasculate. If you look at all of them, the expectations are mountainous. Goosebumps emerging and throwing out of their bodies the size of coconuts in this stadium. What a victory is very, very important, either for Burundi or for Cameroon, because only a victory can be able to settle the mathematical conjectures and confusions and perplexities that this match raises. Et voici les premières envolées donc des hirondelles du Burundi, les premiers bombes des Lions Indomptables à la sortie du tunnel pour les dispositions pratiques dans 20 matchs. Match ultime donc de ces qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue dans 5 mois en Côte d'Ivoire. Le Cameroun et le Burundi, c'est la finale des qualifications. Deux équipes, deux sélections devront donc compléter le nombre et le porter à 24 après ceci. We take the anthem, we begin with the visitors. Sakano,
pays, des grands lacs, d'expression française, d'expression anglaise, mais qui n'oublie pas ses langues nationales d'ailleurs. L'hymne que vous venez de suivre justement, c'est l'une des langues locales du pays. À présent... And for the colors of the country, they were going to give in their best. That is for the Indomitable Lions of Cameroon, playing at home in front of a 25,000 man crowd. For the Burundians, the pledge, they say that the unity, the strength of the team is what they are bringing on the table in this tussle against Cameroon. It is about to begin. Cameroon on the seventh position on classification. And if you see it very, very clearly, Andre Onana is taking over the goalpost. That is his spot. Harold Mukudi, Christopher Ward, they are holding up the defense. Olivier Mbaizo is coming in the place of the dependable five who is not here. Brian Bembe, watch him playing in his usual spot, bringing in the strength.